Bonjour, allez, de quoi te parle la guidance aujourd'hui? Allons-y, on va commencer par l'oracle des femmes médecine. J'ai bien aimé l'avoir pris. Non, là j'ai un paquet, tu vois, ça fait un peu beaucoup. Oh, j'ai 5, 6 cartes. Oh, il y en a 8 au moins, il y a 8 cartes, donc non, juste une. Ah, non. Ça sortait mieux. Ah ben voilà. Non, ben j'en ai deux. J'en ai deux de coincés. Bon, alors on va garder celle-ci. Souvenez-vous de votre nature. Vous êtes un réceptacle. Il y a vraiment cette notion d'accueil beaucoup en ce moment. Cette notion d'accueillir, de s'accueillir soi aussi et d'accueillir l'autre aussi également. Il y a vraiment ces deux notions-là. Je trouve ça très très joli. Alors on va voir de quoi nous parle Catherine Maillard. J'aime bien te lire ces textes. Ça fait un petit moment aussi de détente, de simplicité et de reconnexion à soi. Il faudrait que je le trouve déjà. Je me suis trompée ou quoi dans... Il est magnifique ce livre parce qu'il y a des illustrations, des peintures en fait qui sont sublimes. Ah oui, j'étais pas à la bonne page. Allez, c'est parti. Le message. Je suis la coupe de cœur, symbole du féminin, réceptacle. Tout en courbe, en creux, j'accueille en mon ventre, en ma matrice, toute forme de vie. La femme est conçue pour accueillir, recevoir de l'autre. Sa morphologie. Ça, c'est intéressant. La femme est conçue pour accueillir, recevoir de l'autre. Tant de femmes ont du mal à recevoir. Elles donnent et ont cette difficulté à recevoir de l'autre. Sa morphologie, tout comme sa psyché, est faite de courbes et de creux. Et n'en déplaise au psychanalyste Sigmund Freud, elle n'accueille pas tant pour combler un manque que pour créer du nouveau. Tel est le principe féminin. D'ailleurs, on a vu le principe masculin et aujourd'hui, on voit le principe féminin. Une coupe, une matrice prête à être fécondée. Sa rencontre avec l'altérité a pour projet la création, que ce soit un enfant à naître, une œuvre artistique, sociale ou tout simplement de la beauté. L'accueil, la porte de la fertilité. Et ce qui me vient ici, c'est que c'est ici que justement peuvent venir la pacification avec le masculin. Hein, tout à fait. J'entends mon bébé, mais le papa est là. Hein. Donc c'est vraiment ça, c'est dans le fait que la rencontre avec l'autre a pour projet la création et sert la création. Et est-ce que, la question que je me pose, est-ce qu'on ne peut pas être pacifié avec ça? Est-ce que la paix entre le principe masculin et le principe féminin, à l'intérieur de nous et à l'extérieur, peut se faire comme ça? Voilà. Pour remporter vos victoires, voilà ce que te dit Catherine Maillard, pour remporter vos victoires, peut-être avez-vous adopté une attitude de battante en mode guerrière ou hyperactive. C'est vraiment la question. Hier, c'était pareil, il y avait cette notion justement d'efficacité, de quelqu'un toujours en mouvement. Vous pouvez être fier de vos réussites. Toutefois, cette carte pose une question essentielle. Cuirassé pour être efficace, campé sur une position défensive, se pourrait-il que vous vous soyez coupé de vos ressentis? La source vive d'infinies possibilités? Souvenez-vous de votre nature primordiale, être réceptacle. Vous avez la capacité de vous laisser traverser. Voici le message de cette carte. Je suis la coupe de cœur, symbole du féminin réceptacle. Tout en courbe, en creux, j'accueille en mon ventre, en ma matrice, toute forme de vie. La femme est conçue pour accueillir, recevoir de l'autre. Sa morphologie, tout comme sa psyché, est faite de courbes et de creux. Et n'en déplaise au psychanalyste Sigmund Freud, elle n'accueille pas tant pour combler un manque que pour créer du nouveau. Tel est le principe féminin. Une coupe, une matrice prête à être fécondée. Sa rencontre avec l'altérité a pour projet la création, que ce soit un enfant, un être, une œuvre artistique, sociale ou tout simplement de la beauté. L'accueil, la porte de la fertilité. C'est très intéressant. Est-ce que justement la relation avec le masculin, le principe masculin, et inversement, la relation avec le principe féminin aussi,
mais ici on est dans le principe, avec le principe féminin, est-ce que elles ne peuvent pas être pacifiées, elle ne peut pas être pacifiée cette relation entre le principe féminin et le principe masculin, parce que en fait les deux sont complémentaires et que les deux servent la création ensemble, et que sa rencontre, elle le dit bien Catherine Maillard, avec l'altérité, avec l'autre, a pour projet la création. Alors la guidance, elle te dit, pour remporter vos victoires, peut-être avez-vous adopté une attitude de battante, en mode guerrière ou hyperactive, parce qu'il est vraiment question de ça en ce moment. La dernière guidance était sur ça, hein, parlait d'une personne qui était un vrai bout en train, qui s'arrêtait pas aussi. Vous pouvez être fier de vos réussites. Il était aussi question de réussite hier. Toutefois, cette carte pose une question essentielle. Cuirassé pour être efficace? Il était aussi question d'efficacité. J'aime bien comment les guidances comme ça, quand je les fais quotidiennement, elles se répondent. Voilà, cuirassé pour être efficace, campé sur une position défensive, se pourrait-il que vous vous soyez coupé de vos ressentis, la source vive d'infinies possibilités? Ça me parle parce qu'en tant que professeur de yoga, j'ai pu voir à quel point les femmes étaient beaucoup plus coupées de leurs ressentis, de leur corps, hein, physique, que les hommes. Et c'est tout un travail justement et c'est ce que j'aime faire, de ramener ces femmes à être de nouveau en contact, à ressentir leur corps physique. Et de par là, d'accueillir ce que cette reconnexion fait émerger psychiquement chez elles, émotionnellement. Souvenez-vous de votre nature primordiale, être réceptacle. Vous avez la capacité de vous laisser traverser. C'est le bon moment, voilà maintenant, c'est le bon moment, là, aujourd'hui, pour cesser la lutte, vous abandonner à ce qui est là, à la vie qui se présente. Donc, que ce soit une relation qui se présente, on l'a vu hier avec le principe masculin, il était question justement d'un prince, d'un masculin qui se présentait. Hein, qui arrivait dans la relation. Et donc, si tu es un homme, ça peut aussi complètement te parler. Hein, ça peut être un homme avec un homme. Hein, ou alors une femme avec une femme aussi, bien sûr. Donc, j'en étais où? Oui, à la vie qui se présente, une relation, donc un projet, un enfant. Et oui, un enfant peut être accueilli aussi. Ça peut être un projet d'enfant, mais parfois il peut y avoir un enfant qui est accueilli, qui n'était pas prévu. Évidemment, en fonction de ta situation, bien sûr. Accueillir est le maître mot, toujours en fonction de ta situation, du contexte, hein, dans lequel tu es, bien évidemment. Fais preuve de discernement, cette guidance, je ne le répéterai jamais assez, est une guidance générale, pas personnelle. Garde que ce qui résonne et vois où ça t'emmène. Et lâche le reste, laisse le reste. Et peut-être que des fois j'ai des personnes qui m'écrivent, bah ça me parle pas. Mais c'est que c'est la guidance, elle n'est pas pour toi à ce moment-là. Il n'y a pas de souci avec ça. Au contraire, hein, c'est pas grave si ça parle pas. C'est que c'est pas pour toi à ce moment-là. Activez votre don. Accueillir demande de se mettre dans une attitude réceptive. Et cette notion d'être le réceptacle. Pratique d'accueil. Catherine Maillard, elle te dit de prendre du temps tout au long de la journée, de te laisser inspirer par le cours de la vie, une parole, une attitude ou même un geste. Hein, ça peut être un geste tendre. Hein. Voilà, on peut poser la main sur ton épaule aussi, pour les personnes qui n'ont pas de soucis avec le fait d'être touchées physiquement. Repérez les moments où vous jugez, campez sur vos positions, ou bien quand vous êtes sur la défensive. Ça, c'est très très intéressant de prendre conscience à ces moments-là. Il y a quelque chose de l'ordre du lâcher-prise également. Voilà. À partir du moment où tu prends conscience de ça, eh bien, naturellement, tu lâches prise. Tout simplement. Ça se fait tout seul, ça se fait automatiquement. Voilà, vous abandonnez. Ça n'a rien de passif, il s'agit de rechercher dans cet abandon la création, pardon, pressentie dans la rencontre. Hein, il s'agit de rechercher dans cet abandon la création pressentie dans la rencontre. Nourrir votre goût pour l'altérité est vivifiant. Dans la danse de l'inspire et de l'expire s'ouvre un espace neuf. C'est marrant parce que j'ai cette sensation là depuis deux guidances.
qu'il y a des féminins qui ont peut-être peur d'accueillir un masculin qu'elles pouvaient connaître par le passé, ou connaître là, avec qui elles étaient en relation, mais qui, où là, la relation se transforme positivement et il y a comme une peur qui se présente à elles, ou justement des nouveaux masculins, et on a des féminins qui ont envie de fuir parce qu'elles peuvent sentir quelque part qu'il y a quelque chose de fort et qui peut vraiment se passer et les emmener plus loin en elles-mêmes. Voilà. J'ai vraiment cette sensation-là depuis deux guidances avec ce qu'on a. Allez, pose-toi une question. Si tu as une question, si tu as une question, tu peux écrire ta question sur un papier. Une question simple, claire, en une phrase. Tu fais pause. Et puis tu vas choisir parmi deux cartes, deux paquets, pardon, paquet 1 ou paquet 2. Tu reviens et puis on y va. Allez, c'est parti. Non, je vais pas faire paquet. Ouais, pas super. Je vais les mélanger et je vais couper. Voilà. Deux paquets. Allons-y. Donc, en réponse à ta question, si tu te posais une question, la première carte, purifiez-vous. En plus, on est au printemps, donc moi, ça me parle de détoxification. Et puis, on a toujours et encore cette carte, faites marche arrière. On va aller voir cette carte, faites marche arrière, parce que la semaine dernière, elle était toujours présente. On va aller voir de quoi elle nous parle. Je crois que je ne sais plus si je l'avais lu. Donc ça, c'est la réponse est simple de Sonia Choquette. Et elle te dit, votre ego vous a conduit à une impasse. Donc je commence par celle de droite. Vous êtes en train de suivre une ligne de pensée, de choisir une voie ou de vous impliquer dans des choses qui ne vous servent pas et ne reflètent aucunement votre esprit. Arrêtez d'aller dans cette direction et faites marche arrière. Demandez-vous pourquoi suis-je en train d'abandonner ce que je suis? Qu'est-ce que je compte obtenir en ignorant ma vérité intérieure? Si vous êtes honnête envers vous-même, vous reconnaîtrez que le chemin que vous avez emprunté ne pourra rien vous apporter de bon. L'ego minimisera l'importance d'être sincère en vous-même, insinuant que c'est un outil de survie nécessaire que de suivre l'avis du groupe ou de continuer à faire ce que vous êtes en train de faire, ou de suivre l'avis de la famille, par exemple. Des parents. Mais cela est faux et vous le savez. À un moment donné, vous avez perdu la foi et vous êtes aventuré sur le mauvais chemin. Heureusement, il n'est pas trop tard pour faire marche arrière, inverser les choses et repartir sur la bonne voie. Cherchez le soutien de la famille, de votre âme et priez pour avoir le courage de vous aligner de nouveau à votre esprit. Soyez ferme et diligent ou diligente dans votre choix et ne rendez de compte à personne. Suivre son esprit est un droit divin. Et personne n'a le pouvoir de le contester ou d'intervenir. Souvenez-vous de votre esprit et faites marche arrière avant de dériver encore plus. Et donc, j'aime bien retourner le paquet pour voir où ça t'emmène. Eh bien, ça t'emmène de voir la lumière, de voir les choses avec plus de clarté. Et puis, donc, dans Purifiez-vous, donc là, à gauche, 49. On te dit que l'ego accumule de la négativité. Alors, elle parle beaucoup d'ego. Hein. Il est vraiment question de ça dans la réponse est simple. Hein. De l'ego. Donc, l'ego accumule de la négativité et s'y cramponne pendant longtemps. Celle-ci s'installe dans l'esprit et le corps sous forme de tendances, d'attitudes, de comportements, d'habitudes et de sentiments négatifs. Plus vous amassez et absorbez de négativité, plus il devient difficile de sentir ou de voir la lumière de votre esprit. Le moment est venu de faire une cure de désintoxication de toute cette négativité, de nettoyer la lumière intérieure et de la laisser briller de nouveau. Eh bien oui, voilà, hein, c'est voyez la lumière, tu vois. Le moment est venu de faire une cure de désintoxication de toute cette négativité, ben voilà. De nettoyer la lumière intérieure et de la laisser briller de nouveau. Donc détoxifier le corps et l'esprit. Et quand on détoxifie le corps, on détoxifie l'esprit. Commencez par purifier votre corps. Ben voilà, arrêtez de manger de la nourriture grasse, du sucre et de la farine blanche, de fumer, de consommer de l'alcool et d'autres toxines connues pour les prochains jours. Ah, peut-être y aller petit à petit quand même, hein, parce que savoir que plus tu as accumulé de toxines et plus la réponse du corps sera violente,
lorsqu'il va éliminer tout ça. Alors, il n'y a pas de souci avec ça, c'est une réponse du corps tout à fait naturelle, mais il faut le savoir. Et donc, il y en a qui laissent tout d'un coup. C'est peut-être pas la bonne, c'est peut-être pas une bonne idée. Des fois, vaut peut-être mieux y aller par étapes, hein. Comme ça, c'est moins violent. Quand il élimine, les symptômes sont moins violents, moins forts. Il est aussi temps d'éliminer les autres éléments toxiques de votre vie. Vos conversations sont-elles toxiques? Est-ce que tu juges et critiques souvent? Moi, c'est quelque chose, justement, par le yoga et la méditation, que j'ai beaucoup été voir. Voilà, à chaque instant, est-ce que je suis dans le jugement et la critique? Déjà vis-à-vis de moi-même, et aussi vis-à-vis des autres et de l'extérieur, ou des situations. Et vos habitudes, vos pensées, vos fréquentations. Si vous n'êtes pas sûr de la réponse, demandez à votre esprit et ressentez alors la vibration de votre réponse. Toujours cette notion de est-ce que ça se contracte en toi? Est-ce que ça se rétrécit, ça se contracte, ça se tend? Et dans ce cas-là, bien tu sais ce que ça veut dire, hein? Et est-ce qu'au contraire, il y a une expansion, il y a une sensation de légèreté, de bien-être, de joie? Voilà, là, tu as un oui. Et dans la contraction, tu as un nom en fait. Ou alors, quand ça s'expande, c'est positif. Voilà, et quand ça se contracte, c'est plutôt négatif. Dans une direction, tu diras, bah, si ça se contracte, bah, change peut-être de direction. Les substances, associations et comportements dangereux vous vident de votre énergie et vous rendent stressé et malade. Ils aspirent votre lumière et votre joie et vous vous sentez alors fatigué, déprimé, sans motivation. Tout comme vous ne resteriez pas dans une pièce remplie de déchets nucléaires, ne vous complaisez plus dans l'énergie toxique psychique de votre vie. Votre esprit mérite mieux et vous ne pouvez plus ressentir votre lumière intérieure dans de telles circonstances négatives. Se désintoxiquer aussi peut-être des informations que tu reçois, qu'est-ce que tu lis, qu'est-ce que tu regardes, hein, avec quoi tu nourris ton esprit. Voilà. Désintoxiquez-vous de ces éléments qui font du mal à votre esprit avant de tomber malade, de perdre le moral ou votre énergie. Oui, cela requiert de la discipline, hein, et de la rigueur, hein, et de la régularité. Trouvez la volonté de le faire et arrêtez de le remettre à plus tard. Demandez de l'aide s'il le faut. Les autres ne demandent qu'à vous aider. Vous avez atteint un point de saturation au niveau de la négativité et vous ne trouverez pas la paix tant que vous ne vous serez pas débarrassé de cette pollution. La peur aussi, la peur est une pollution, hein, vu ce qu'on vit en ce moment. C'est un peu comme s'il y avait l'éloge de la peur, si on peut dire ça. Hein. Je ne sais pas trop si on peut dire ça, mais bon. Voilà. Alors là, ça me parle de quoi? Ça me parle qu'il y a des personnes qui peuvent se sentir vraiment très coupables. Non, non, non. La culpabilité fait vraiment chuter la fréquence vibratoire et peut rendre malade. Ne l'entretenez pas, ne l'entretiens pas. Il y a toujours possibilité de toute façon d'améliorer quelque chose. Là, on te dit réparer les dégâts. Ben oui, tout est possible, bien évidemment, par voilà, un changement de fonctionnement, de pensée, de perception des choses. Et là, on a une guidance qui appelle puissamment à venir dans ton féminin. On avait une autre carte derrière, on va aller la voir. Et justement, d'être dans l'accueil de ce qui est et de ce que tu es aussi. Et de ne pas être dans cette culpabilité. Regarde, c'est celle-ci qu'on avait derrière. Je l'ai un peu oubliée. C'était l'ancrage. Regarde, bah, sois comme cet arbre magnifique. Ouais, viens t'ancrer. Viens t'ancrer. Un bon ancrage, l'ancrage donne un sentiment, une sensation de sécurité. Donc là, il y a peut-être que tu ne t'es pas senti en sécurité, ça t'a fait perdre pied, il y a eu de la colère, des choses comme ça, et alors c'était légitime. Nous sommes tels des arbres majestueux dans une forêt sacrée bien enracinée. Nous déployons avec grâce nos branches vers le ciel pour capter les informations, prendre soin de nous et de la communauté, dépositaires des mémoires du passé et témoins de notre destinée. Un bon ancrage procure le sentiment d'être à sa juste place et la possibilité de réaliser ses projets et ses rêves pour l'avenir. Or, nos modes de vie nous malmènent et sans une terre intérieure puissante et fertile, nous vivons hors sol. Une situation qui peut entraîner des difficultés à poser des limites, un sentiment d'insécurité. Et vraiment, là, depuis 2 jours,
Cette sensation, oui, de poser ses limites. Cette sensation de s'affirmer, d'être dans cette affirmation de soi. Et c'est aussi de ralentir, de profiter du moment présent, de l'instant. Hein? Voilà. De cesser de courir. Et donc, il y a vraiment cette notion de poser ses limites, de rester droite dans ses bottes aussi, de s'ancrer. Alors, ici, la guidance te dit, vous êtes peut-être bousculé entre pensée parasite, pardon, et bavardage mental. Il y a ce besoin aussi d'apaiser l'esprit. Hein. Un phénomène qui s'accompagne d'agitation, de difficulté à concrétiser vos aspirations. Ben oui, l'énergie n'est pas là. Ou à faire respecter votre territoire. Il est temps de retrouver le contact avec votre prise de terre, votre enracinement, pour vous ramener dans cette précieuse présence à vous-même et votre capacité à mettre en œuvre vos projets. Votre priorité, retrouver votre ancrage pour à nouveau asseoir votre souveraineté, être reine en votre royaume. Ben oui, le contexte actuel a peut-être fait que beaucoup se sont désancrés. Eh bien, il y a un appel à l'ancrage. N'hésite pas à poser les pieds dans l'herbe. N'hésite pas, si tu fais du yoga, à pratiquer des figures d'ancrage qui t'ancrent fortement. Il y a la posture de la grenouille qui ancre bien, surtout pour les femmes, hein, par rapport au bassin. Du féminin, va voir sur YouTube, tu trouveras la posture de la grenouille. attention aux hanches et aux genoux quand même. Voilà, si tu peux la faire, tant mieux. Si tu peux pas la faire, surtout n'insiste pas. Les pieds dans l'herbe, entourer un arbre, être en contact avec la terre, avec la nature, avec des plantes, avec des animaux. Voilà. Eh bien voilà l'action. Installe-toi debout, ancre tes pieds dans le sol. Voilà comment t'ancrer. Ressens leurs points d'appui, les points de contact hein, de tes talons, de l'avant des pieds, de l'intérieur des pieds, de l'extérieur des pieds. Étale tes orteils et étends tes orteils. Imagine des racines plongeant profondément dans la terre. Inspire, laisse remonter ton énergie le long des jambes, remplir ton bassin, ton utérus, lieu de ton pouvoir. Visualise un arbre ancestral, symbole d'ancrage. Dépose quelques gouttes d'huile essentielle de cèdre de l'Atlas sous la plante des pieds pour un retour au corps, à sa puissance de vie, ses instincts primordiaux. Pour un meilleur enracinement, pratique la voyelle OU. En envoyant ce son grave dans ton ventre, elle porte une grande douceur, une qualité féminine yin. Alors, si je devais la faire, ça ferait. Tu vois, quelque chose comme ça. Voilà. Eh bien, j'arrêterai aujourd'hui, en fait. Je ne vais pas prendre le normand. Je trouve qu'il y avait beaucoup d'informations pour aujourd'hui. J'espère que ça te plaira. Je te remercie pour ton écoute. On se retrouve demain.